XIe siècle avant l'ère chrétienne, vivait au sud de l'Arabie la grande civilisation de Saba. Le Coran relate en détail l'histoire de la reine de Saba et du prophète Salomon. Il contient également un autre récit concernant ce peuple, celui d'un violent acte de destruction. Les textes les plus anciens se référant au peuple de Saba sont les chroniques des guerres annuelles datant de l'époque du roi assyrien Sargon II. Dans ses écrits, Sargon mentionnait que Saba faisait partie des états tributaires. Ce texte est le plus ancien, fournissant des solides informations à propos de l'état de Saba. Les autres traces écrites comparent le peuple de Saba aux Phéniciens, de par leurs importantes activités commerciales, tout en rappelant que la plupart des routes commerciales importantes au nord de l'Arabie étaient entre leurs mains. Les Sabéens étaient réputés être un peuple civilisé. Les inscriptions des souverains sabéens font fréquemment allusion à la restauration, à la dotation et à la construction. Le barrage Marib, dont les ruines survécurent jusqu'à aujourd'hui, donne une idée du niveau technologique des Sabéens. Grâce à ce barrage, ils purent bâtir un monde vert au milieu du désert. La capitale, Marib, put directement bénéficier du barrage et développer son opulence grâce à une topologie géographique avantageuse. La capitale fut construite à proximité du fleuve Adana et irriguée grâce au barrage conçu par les Sabéens. La prospérité agricole leur permit donc de connaître le bien-être. Marib était l'une des plus belles cités de l'époque. L'écrivain grec Pline, qui eut l'occasion de visiter la région, fit l'éloge de cette terre et de sa verdure. Le barrage de Marib mesurait 16 mètres de haut, 60 mètres de large et 620 mètres de long. Calculs ont montré qu'il permettait l'arrivée de l'eau vers les deux vastes plaines de part et d'autre de la ville. Les écrits sabéens font parfois allusion à ces deux plaines dans l'expression « Marib et les plaines jumelles ». Les deux jardins à droite et à gauche sont les termes employés dans le Coran pour décrire
vraisemblablement les vignes et les jardins impressionnants de ces deux vallées. Grâce aux barrages et aux infrastructures d'irrigation, la région fut qualifiée la région la plus fertile de tout le Yémen. Les versets du Coran semblent concorder avec ces faits historiques et les découvertes archéologiques. Le peuple refusa de prendre en compte les avertissements du prophète et se montra indigne des bénédictions de Dieu. C'est pourquoi une terrible catastrophe s'abattit sur lui. Il y avait assurément pour la tribu de Saba un signe dans leurs habitats. Deux jardins, l'un à droite et l'autre à gauche. Mangez de ce que votre Seigneur vous a attribué, et soyez-lui reconnaissant. Une bonne contrée et un Seigneur pardonneur. Mais ils se détournèrent. Nous déchaînâmes contre eux l'inondation du barrage, et leur changeâmes leurs deux jardins en deux jardins aux fruits amers, tamari et quelques jujubiers. Ainsi les rétribuâmes-nous pour leur mécréance. Saurions-nous sanctionner un autre que le mécréant ? Le peuple de Saba vivait entouré de vignes et de jardins fertiles à la beauté frappante. La contrée de Saba se situait à l'intersection des routes commerciales et prospéra au point de devenir l'une des plus importantes villes de l'époque. Ces conditions favorables auraient dû susciter la reconnaissance du peuple de Saba. Or, ils se détournèrent. Leur arrogance vis-à-vis de leur confort causa leur perte. La région entière fut balayée par une terrible inondation. D'un seul coup, les vignes et les jardins furent immergés. Fait référence au châtiment qui frappa le peuple de Saba par l'expression « Seil al-Arim » ou l'inondation d'Arim. Le terme « Arim » signifie « barrage » ou « digue ». « Seil al-Arim » traduit donc l'inondation essuyée suite à une brèche dans la digue. L'archéologue chrétien Werner Keller convient que l'inondation d'Arim concorde avec la description faite dans le Coran. Il écrit « Pendant 1500 ans, ce jardin d'épices fleurit autour de Marib jusqu'en l'an 542 avant notre ère, quand le barrage se rompit. Le désert importun envahit les terres fertiles et les détruisit. Le peuple de Saba, dit le Coran, avait de beaux jardins où les fruits les plus précieux poussaient. Mais le peuple se détourna de Dieu, c'est pourquoi il fut châtié avec l'explosion du barrage. Depuis, seuls des fruits amers poussent dans les jardins de Sheba. Le
Le barrage, qui était alors la source principale de l'opulence et du confort du peuple de Saba, fut également le moyen de la destruction de ce peuple ingrat. Après l'inondation d'Arim, la région retourna à l'état de désert. La disparition des champs fit perdre au peuple de Saba sa principale source de revenus. Le peuple de Saba, qui ignora l'invitation de Dieu à croire en lui et à le remercier, fut ainsi châtié. Suite aux terribles dommages causés par l'inondation, le peuple de Saba commença à se désagréger. Ils abandonnèrent leurs habitations et émigrèrent vers la Mecque, le nord de l'Arabie et la Syrie. Marib, autrefois la capitale du peuple de Saba, est désormais un tas de ruines désolées et doit servir de mise en garde contre quiconque commet les mêmes erreurs que le peuple de Saba. La civilisation égyptienne est l'une des plus anciennes de l'histoire. La découverte de l'écriture autour du 3e millénaire avant Jésus-Christ, leur usage du fleuve Nil et leur mode de défense contre les attaques contribuèrent significativement à leur progrès. L'Égypte ancienne reposait sur l'une des grandes merveilles naturelles, le Nil. Grâce à la fertilité du fleuve qui s'étend d'un bout à l'autre du continent africain, les Égyptiens furent capables de cultiver les terres sans dépendre de la pluie. L'historien Ernst Gombrich fit le commentaire suivant à ce sujet. L'Afrique rime avec chaleur. Il ne pleut pas pendant des mois. C'est pourquoi de nombreuses régions de ce continent sont arides, désertiques. C'est le cas pour les contrées de part et d'autre de l'Égypte. Il ne pleut pas fréquemment en Égypte. Mais la nécessité de la pluie n'y est pas si cruciale, car le fleuve du Nil coule en plein milieu du pays. Étant donné son immense importance stratégique, quiconque contrôlait le Nil contrôlait également la source essentielle de l'agriculture et du commerce, à savoir la vie même. Les souverains de l'Égypte ancienne réussirent ainsi à bâtir un puissant royaume. Ils deviendraient plus tard les pharaons.
Égyptiens vénéraient alors un grand nombre de divinités. Ils étaient profondément attachés à leurs croyances en raison de leur terrible fanatisme. L'environnement naturel eut un profond impact sur l'Égypte antique. La géographie physique du pays protégeait le pays des menaces extérieures. L'Égypte était en effet entourée de déserts, de terres montagneuses et de mers de tous les côtés. Deux voies seulement étaient envisageables pour l'assaillant, ce qui simplifiait considérablement la défense de celle-ci par l'armée égyptienne. Les Égyptiens purent ainsi rester isolés du monde externe grâce à leurs ressources naturelles. Au fil des siècles, cette autarcie se transforma en un sévère sectarisme. Fermés à toute nouveauté ou réforme, ils s'accrochaient passionnément à leurs croyances. La vie après la mort était la composante principale du système de croyance des Égyptiens. Ils croyaient que l'âme survivait après la mort du corps et qu'elle était jugée. En présence de témoins, les bonnes et les mauvaises actions du défunt étaient pesées et discutées. Le juge ou le dieu rendait ensuite son verdict. Ceux dont les bonnes actions pesaient lourd dans la balance jouissaient ainsi d'une vie éternelle de bonheur, tandis que ceux dont les mauvaises actions étaient plus lourdes étaient condamnés au tourment éternel. Il est impossible de nier l'étroite ressemblance entre la vision de l'au-delà chez les Égyptiens et celle de la foi monothéiste. Cela démontre donc que la civilisation de l'Égypte antique avait dû recevoir autrefois une révélation de la religion authentique et qu'elle dut progressivement corrompre le culte d'un dieu unique en culte de dieux multiples. Nous savons que régulièrement, des messagers furent envoyés pour rappeler aux hommes l'unicité de Dieu et leur obligation de le servir. Le prophète Joseph fut l'un de ces prophètes dont la vie fut racontée en détail dans le Coran. Le prophète Joseph immigra vers l'Égypte avec le peuple d'Israël pour s'y installer. Après sa mort, commença une période de servitude pour les enfants d'Israël. Cette ère d'esclavage allait connaître son terme avec la mission du prophète Moïse,
en tant qu'ambassadeur et son guide des enfants d'Israël en dehors de l'Égypte. Les pharaons d'Égypte étaient cruels, oppressants, guerriers et impitoyables. Ils se considéraient tous comme les êtres supérieurs au sein du système polythéiste, déformé, et n'avaient aucun remords à faire couler le sang. L'un d'entre eux fut cependant différent. Il défendait en effet qu'il n'y avait qu'un seul créateur, ce qui lui valut de subir une pression terrible de la part des prêtres d'Amon et d'être finalement tué. Il s'agissait d'Amenhotep IV, qui régna au début du XIVe siècle avant l'ère chrétienne. Lorsque Amenhotep monta sur le trône en 1375 avant Jésus-Christ, il dut faire face à un conservatisme endurci depuis des siècles. En remplaçant la religion égyptienne polythéiste par le culte d'un seul dieu et en se lançant dans un vaste chantier de changement dans tous les domaines, il s'attira les foudres des notables de la capitale Thèbes. Ceux qui le soutenaient durent émigrer vers une autre région. Amenhotep changea alors son nom en Akhenaton, ce qui signifie le serviteur d'Aton. Aton, selon Amenhotep, était le créateur des cieux et de la terre, ce qui témoigne de sa foi en Dieu seul. Or, d'autres pharaons cruels lui succédèrent. Ils remirent en place la religion polythéiste traditionnelle et s'attachèrent autant que possible à revenir en arrière. Environ un siècle et demi après, Ramsès II entama son règne, qui allait être le plus long de l'histoire d'Égypte. Selon de nombreux historiens, ce fut Ramsès qui opprima les enfants d'Israël et qui combattit le prophète Moïse. Les Égyptiens refusaient d'abandonner leurs croyances païennes en raison de leur fanatisme aveugle. Des messagers étaient venus les mettre en garde contre leur idolâtrie, mais systématiquement, le peuple de Pharaon retournait à ses anciennes croyances. Finalement, Dieu envoya le prophète Moïse en tant que messager, tandis que les enfants d'Israël étaient asservis. Le prophète Moïse fut chargé à la fois d'appeler les Égyptiens à la véritable religion et de les guider vers la droiture en les libérant du joug de l'esclavage.
Nous te racontons en toute vérité de l'histoire de Moïse et de Pharaon à l'intention des gens qui croient. Pharaon était hautain sur terre. Il répartit en clans ses habitants afin d'abuser de la faiblesse de l'un d'eux. Il égorgeait leurs fils et laissait vivantes leurs femmes. Il était vraiment parmi les fauteurs de désordre. Mais nous voulions favoriser ceux qui avaient été faibles sur terre et en faire des dirigeants et en faire les héritiers, et les établir puissamment sur terre et faire voir à Pharaon, à Aman et à leurs soldats ce qu'ils redoutaient. Conformément à l'ordre de Dieu, le prophète Moïse et son frère Aaron se rendirent auprès de Pharaon et lui présentèrent les commandements divins. Ils exigeaient, en outre, de Pharaon qu'il cesse d'opprimer les enfants d'Israël et qu'il les libère. La religion proclamée par le prophète Moïse remettait en question le pouvoir de Pharaon et le rabaissait au rang de n'importe qui. Par ailleurs, la libération des enfants d'Israël représentait la perte considérable de main-d'œuvre. C'est pourquoi Pharaon refusa d'écouter le prophète Moïse. Il accusa le prophète et son frère Aaron de chercher à troubler l'ordre établi et essaya de les faire passer pour des criminels. Les notables du peuple de Pharaon refusèrent aussi d'obéir au prophète Moïse et à Aaron. Ils rejetèrent la religion qui leur avait été révélée, nullement motivés à abandonner la religion de leurs ancêtres. Dieu fit alors s'abattre sur eux une série de calamités. Pharaon et ses proches étaient si frénétiquement dévoués à leurs croyances polythéistes et païennes, c'est-à-dire à la religion de leurs ancêtres, qu'ils étaient peu disposés à s'en défaire. Même les miracles accomplis par le prophète Moïse ne purent les faire démordre de leur superstition. Ils reconnaissaient ouvertement leur aveuglement, comme indiqué dans la sourate Al-Araf, le verset 132. Et ils dirent, « Quel que soit le miracle que tu nous apportes pour nous fasciner, nous ne croirons pas en toi. » Face à cette obstination, Dieu envoya plusieurs fléaux sur eux afin qu'ils goûtent à la souffrance dans le monde ici-bas. Le premier fut la sécheresse et la pénurie. Nous infligeâmes alors au peuple de Pharaon des années de sécheresse et de mauvaises récoltes à titre d'avertissement. Les Égyptiens avaient basé leur système agricole sur le Nil. C'est pourquoi les changements des conditions naturelles ne les affectaient pas. Or, l'arrogance de Pharaon et de son entourage envers Dieu et leur refus de reconnaître son prophète les menèrent vers une catastrophe totalement inattendue. Il est fort probable que les niveaux d'eau du fleuve Nil baissèrent énormément, de sorte que les canaux d'irrigation n'acheminaient plus assez d'eau vers les champs. Une chaleur extrême causa la sécheresse. Ainsi, Pharaon et sa cour furent affligés d'une source inattendue, le fleuve lui-même. Verset 51 de la sourate Az-Zukhruf révèle le revers essuyé par Pharaon qui avait pour habitude de s'adresser à son peuple en disant « Ô mon peuple, le royaume de l'Égypte ne m'appartient-il pas ainsi que ces canaux qui coulent à mes pieds ?
N'observez-vous donc pas? Mais ce n'était là que le début des problèmes. Une série de fléaux succéda à la sécheresse et à la pénurie, comme nous l'indique le Coran. Les inondations, les sauterelles, les poux, les grenouilles et le sang. En dépit de tous ces événements, Pharaon et son peuple continuèrent à rejeter l'existence unique de Dieu. Ils restèrent figés dans leur arrogance. Cela n'allait pourtant pas durer longtemps. Devant la persistance de l'égarement de Pharaon, Dieu enjoignit le prophète Moïse de faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël. Voyant ces derniers se préparant à quitter l'Égypte, Pharaon ne put se résoudre à leur départ sans son autorisation. Il rassembla alors son armée et se mit à leur poursuite. Pharaon parvint à rattraper les enfants d'Israël quand ils atteignirent la mer. La panique gagna les enfants d'Israël, au point que certains se rebellèrent contre le prophète Moïse. Selon l'Ancien Testament, ils dirent « Pourquoi nous as-tu emmenés loin de chez nous ? Nous y étions certes des esclaves, mais nous pouvions y vivre. Maintenant, nous allons mourir. » Le Coran décrit cette faiblesse dans ce verset. Puis, quand les deux parties se virent, les compagnons de Moïse dirent « Nous allons être rejoints ». Selon le verset 62 de la sourate Ash-Shura, le prophète Moïse rassura ceux qui craignaient d'être rattrapés. « Jamais, car j'ai avec moi mon Seigneur qui va me guider ». Dieu témoigna une fois de plus son soutien au prophète Moïse. Voici ce qui se produisit ensuite. Alors nous révélâmes à Moïse, « Frappe la mer de ton bâton ». Elle se fendit alors, et chaque versant fut comme une énorme montagne. Nous fîmes approcher les autres. Et nous sauvâmes Moïse et tous ceux qui étaient avec lui. Ensuite, nous noyâmes les autres. Voilà bien là, un prodige, mais la plupart d'entre eux ne croient pas. Et ton Seigneur, c'est en vérité lui le Tout-Puissant, le Très Miséricordieux. Pharaon et ses hommes commencèrent à traverser la mer, Dieu referma miraculeusement les eaux. Le Coran affirme qu'au moment où Pharaon se rendit compte qu'il était sur le point de mourir, il déclara croire en Dieu.
fîmes traverser la mer aux enfants d'Israël. Pharaon et ses armées les poursuivirent avec acharnement et inimité. Puis, quand la noyade l'eut atteint, il dit « Je crois qu'il n'y a d'autre divinité que celui en qui ont cru les enfants d'Israël, et je suis nombre des soumis. » Cette attestation n'empêcha pas Pharaon et son armée de se noyer, comme indiqué dans le verset suivant. Maintenant, alors qu'auparavant tu as désobéi et que tu as été du nombre des corrupteurs, nous allons aujourd'hui épargner ton corps, afin que tu deviennes un signe à tes successeurs. Cependant, beaucoup de gens ne prêtent aucune attention à nos signes. Pour avoir rejeté ces signes et renié ces avertissements, Dieu les châtia en les noyant. Après la mort violente de Pharaon, le peuple d'Israël se mit en route vers la terre promise. Et aux gens qui étaient opprimés, nous leur avons fait hériter des contrées orientales et occidentales de la terre que nous avons bénie. Et la très belle promesse de ton Seigneur sur les enfants d'Israël s'accomplit pour prix de leur endurance. Comme nous l'avons vu, les découvertes historiques et archéologiques touchant à ces civilisations mentionnées dans le Coran révèlent que le Coran est bien la parole de Dieu. Les hommes doivent tirer les leçons de ce que vécurent ces peuples et y puiser les moyens de se rapprocher de Dieu. C'est seulement ainsi qu'ils peuvent espérer réussir dans l'au-delà.